Waouh! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mes frères et sœurs, ce que nous allons voir ici, c'est hors du commun. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ah! Une voiture était tranquillement posée dans son coin lorsque Nab a sorti de nulle part et venu la traverser. Quoi? Bonjour les frères et sœurs. Bienvenue, nous sommes Julien Soubon. Peut-être que vous ne savez pas qu'ici, il y a des choses mystérieuses. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et soyez prêts. Parce que ce qui arrive, ce que nous allons même voir ici, c'est pas pour les enfants. Soyez prêts. Suivez-nous, allons au studio. Parce que ça, si il ne vous montre pas ça, vous penserez que ce sont des poissons seulement qui apparaissent dans l'eau. Bon, vous allez voir. Mes frères et sœurs, c'est grave, c'est étonnant. Certaines mêmes personnes pensent que c'est de la sorcellerie. Regardez même ça. Mon Dieu. Tout le monde se pose des questions. Comment cet arbre a-t-il fait pour percer la voiture? Même les blancs sont en train de filmer la scène. Les jeunes gens sont dépassés. Les gens se posent des questions aujourd'hui. Ce que nous allons vous montrer, c'est une chose mystérieuse. Que se passe-t-il ici? Mes frères et sœurs, si ce n'est pas été filmé, vous ne l'aurez certainement pas cru. Regardez même ça. Alors, c'est comme un mystère. Un arbre qui transverse une voiture de part et d'autre. C'est vraiment mystérieux. Il y a du monde autour. Je suis à côté. Je ne comprends rien. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. On ne sait vraiment pas ce qui s'est réellement passé ici. Mais un arbre sorti de nulle part a transpercé une voiture. Regardez. Regardez bien. Regardez ça. Mon Dieu. Est-ce de la sorcellerie? Est-ce un sorcier dans son village là-bas qui a fait ça ici? La plupart des temps, c'est ce qu'on s'est dit. Ah, le sorcier du village s'est déplacé pour venir ici encore en Europe. Ah, mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais ce qui est étrange, mais c'est ça. Regardez. Celui qui pense que Dieu n'existe pas, il se tombe réellement. Voilà la voiture traversée et l'arbre. L'arbre qui déborde. En bas de la voiture, on a... En bas de la voiture, on voit la souche de l'arbre là-bas. Voilà. Et on ne sait pas comment cette voiture est arrivée là. Et on ne sait pas comment cette voiture est arrivée là. Je préfère dire qu'on ne sait pas comment cette arbre est arrivée là. Parce que cette voiture était même déjà là, tranquillement. C'est parce qu'il n'y avait pas d'arbre que cette voiture s'est positionnée même là. Mais que s'est-il passé? Regardez encore. C'est incroyable. Alors, c'est un miracle. C'est incompréhensible. Au-delà de tout entendement, oui. Moi, je voyais des gens assemblés, je ne voulais pas prendre. Après, quand je regarde, je dis, c'est mystérieux ça. Voilà. Mon Dieu! Et c'était un arbre tout frais, tout frais, hein, tout frais comme ça, tout joli. Et puissant qui est sorti de là. Ça va prendre combien de temps avant qu'un arbre pousse? Alors, donc maintenant, un arbre, ça prend un jour pour pousser. Mais ça prend 2 secondes. Est-ce qu'on est dans un film d'haricots magiques ou quoi? Qu'est-ce que c'est ce truc? C'était les films d'haricots magiques, on voyait des trucs pareils. Mais maintenant même, c'est devenu même dans la réalité. La magie que les gens faisaient dans le monde des esprits, là, ils ont décidé de venir faire ça physiquement maintenant quoi. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous les sorciers là. Restez tranquille, hein. Qu'est-ce que c'est ce truc? Vous t'en dites très bien. Moi je voyais des gens assemblés, je ne voulais pas prendre. Après quand je regarde, je dis, c'est mystérieux ça. Voilà. Vous regardez comment l'arbre a transpercé la voiture, mes frères et sœurs. Ah!
Et si j'avais quelqu'un à l'intérieur, que se serait-il passé? Mais attendez, vous allez voir, regardez bien, regardez très bien comment ça a transpercé la voiture. Et vous allez voir même le fauteuil, le siège. Regardez. Jusqu'au siège qui est transpercé. Oh! Mais il y a le ciel ou quoi? Qu'est-ce que c'est ce truc? Regardez bien ici, regardez bien là, regardez bien là. Aïe, 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 aïe. Mes frères et sœurs, ça c'est... Ce n'est pas bon. Ce qui se trouve ici, mes frères, ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne comprends pas, ce n'est pas bon. Regardez même ça, ce n'est pas bon. Voilà, il rentre dans le ciel, la source du siège. C'est comme un miracle, ça. Et là, vous le voici. On est à Bellevue, là. Voilà. Et les gens sont en train de filmer la scène. Les gens n'ont jamais vu ça. Moi, mais je n'ai jamais vu ça. Ah, avec ma caméra, je vais filmer la scène et vous la montrer. N'oubliez pas que nous venons d'atteindre les 45 000 abonnés, mes frères et sœurs. Regardez même ça. Avec le cas sur vous pouvez avoir accès à nos pas d'accueil. Vous allez voir nos trois autres chaînes. Bien sûr, vous allez sur notre Young TV. Abonnez-vous à ces chaînes et soyez prêts. Maintenant, dites-moi, mes frères et sœurs, que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il même ici? Est-ce que c'est Harry Potter qui a fait ça? Est-ce que c'est même Harry Potter qui a fait le truc? Dites-le moi. Donc Harry Potter est vraiment réel, tu fais le truc pareil. Mes frères et sœurs, Dieu seul sait ce qui s'est passé. Dieu seul sait ce qui s'est passé ici. Peut-être que vous êtes trop fort. Peut-être que vous êtes trop intelligent. Il y a juste un petit commentaire et dites-moi réellement ce que vous avez vu en esprit. Ok, partagez cette vidéo et comme on vous l'a dit, abonnez-vous. Merci à tous ceux qui sont abonnés. 45 000 abonnés, ce n'est pas rien. Merci à vos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous.